c'est les amis, en direct de la pêche, pour ne pas changer. Alors, je viens vers vous pour vous transmettre un petit message. Beaucoup d'entre vous m'envoient des messages privés pour refaire une rencontre abonnée, comme j'ai fait celle du mois de juin, où apparemment ça avait plu à énormément de personnes. Et franchement, ça me fait encore grave plaisir de savoir qu'il y en a beaucoup que, à l'heure actuelle, ils m'envoient encore des messages pour savoir quand est-ce que j'allais la refaire. Alors c'est vrai, j'avais dit que je voulais le refaire au mois de septembre. Malheureusement, c'est pas possible pour moi, ce sera pas possible. J'ai déjà des pêches prévues très prochainement. Et début octobre, enfin, le 12 octobre, je serai à Calais pour un concours. Donc pareil, ça sera pas possible de début octobre jusqu'au 12. Donc je vous propose, c'est de faire une petite session abonnée à la fin du mois d'octobre. Donc c'est sûr, le temps ne sera plus pareil, il ne fera pas aussi chaud, il va faire noir de bonne heure. Enfin bref, il y a beaucoup de facteurs où ça ne sera pas les meilleures conditions comme en mois de juin. Mais je pense que la pêche serait peut-être autre chose. Du moins, je pense qu'il y aurait eu plus de poissons présents, que ce soit du bar, du merlan, du flé, bref, il y aurait possibilité de faire une sacrée pêche. Alors, bien sûr, je vous pose la question si ça vous intéresse de le faire au mois d'octobre, disons fin octobre. Je fixerai vraiment une date pour la fin d'octobre. Suivant les conditions, on verra où on ira. Soit ce sera comme la dernière fois sur la même plage, c'est-à-dire à l'Auvertport, soit peut-être qu'on fera un repli ailleurs. Après, peut-être est-ce que certains de vous seraient intéressés par exemple d'aller, je sais pas, au couloir. C'est la petite digue qui se situe face à l'Auvertport. Donc pas la digue Carnot, mais celle qui est un petit peu avant. Donc peut-être que ça aussi ça peut être intéressant pour ceux que ça intéresse, hein, pêcher la marée haute là-bas. Pourquoi pas. À voir. Donc dites-moi quoi en commentaire les amis, qu'on puisse essayer de se fixer ça au mois d'octobre. Je vous remercie encore à tous pour tous ces messages que vous pouvez m'envoyer. Franchement, ça fait vraiment grand plaisir, ça donne de la force franchement pour faire mes petites pêches. Alors comme je l'ai dit toujours, je suis pas un pêcheur voilà, expert, je suis un pêcheur comme tout le monde, qui en apprend tous les jours comme tout le monde. Je suis pas là à déballer ma science, je pense que beaucoup d'entre vous ont commencé à m'apprendre à me connaître. Je me prends pas la tête, je suis sur des pêches simples, sans prise de tête. Et voilà, comme vous pouvez, même sans se prendre la tête, on fait du poisson. Donc voilà les amis, donc voilà, j'attends vos commentaires et puis on voit ça ensemble. Allez, à très bientôt pour de prochaines aventures.